Bienvenue à l'école paternelle. Nous sommes vos coordinateurs de projet. Je suis Charlie et lui, c'est Phil. Et quelqu'un sait ce qu'est une définition de fonction? Tenez, vous en prenez tous une. C'est la définition de fonction. Moi? Oui, oui, doucement, doucement, il y en aura pour chacun. Voilà, on y est. Alors, qui est-ce qui aimerait être le premier à lire la première ligne de la définition de fonction? Vas-y, on t'écoute. Je sais pas encore lire. D'accord, mais il faudrait plutôt quelqu'un qui sache déjà lire. Alors, levez la main, ceux qui parmi vous savent déjà lire. Bon alors, la main en l'air, ceux qui ne savent pas encore lire. Très bien. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vais lire la définition de fonction à haute voix, et vous, tout ce que vous aurez à faire, c'est d'être bien à l'écoute et de suivre pendant que je lis la définition. D'accord? Vous allez voir, c'est rigolo et très intéressant. Tous les membres et coordinateurs de l'équipe de l'école paternelle s'engagent collectivement à pourvoir... S'il te plaît, Sean, tu arrêtes de manger la définition. Retire ça de ta bouche. S'engagent collectivement à... On déchire pas non plus la définition, Flash, parce que c'est un document très important et... Hé, dis donc, viens ici. Hé, tu viens ici. Bien, en fait, ce que Charlie essaie de vous dire, c'est que nous... On... Oui, une seconde, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? Le vaisseau spatial. Encore? Le vaisseau spatial. Ouais. Oui, doucement. D'accord, doucement, maman. Restez calme. Oh, d'accord, j'ai compris. Ok, je vais le faire, mais d'abord, on se calme. Je croyais que ça devait être facile. C'est ce que je me dis maintenant. Qu'on a fait une bêtise. Bien, je vais te dire. J'abandonne jamais. Ce que je fais en général. Mais là, je sais pas si je vais tenir le coup longtemps. Ok, je reviens. Et où tu vas? C'est pas le moment. J'ai besoin d'un autre vaisseau spatial. Oui, le vaisseau spatial. Allez. Le vaisseau spatial. Et... Quatre enfants absents, sans aucune explication. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence. Dans un groupe de cette importance, trois enfants absents, c'est une coïncidence. Quatre, statistiquement, c'est une anomalie. Attention les yeux! J'ai le choix de vous présenter l'ami Phil et sa guitare. Quelle bonne idée. Vous allez écouter l'ami Phil. Moi, je vais reposer ma colonne vertébrale. Max, papa a besoin d'une chaise. Oh. Je trouve qu'ils aiment beaucoup le vaisseau spatial. Ah, quand j'étais encore un petit mot. J'avais 5 ans, je m'en souviens. Ma mère m'a dit... J'étais le meilleur des gars. Je suis un homme en vrai. Je suis un homme en vrai. Je suis un adulte en vrai. Je suis un gros à vrai. Oh, j'arrête pas de manger. Viens avec moi, on va à la cuisine. Mets un zeste dans la noix de coco et bois sa cuissette. Mets un zeste dans la noix de coco et bois sa cuissette. Mets un zeste dans la noix de coco et bois sa cuissette. J'ai dit docteur, vous me filez un petit cachet. J'ai dit docteur, j'ai mal au bide, je vais craquer. J'ai dit docteur, seul au monde roi le cow-boy. Cavalier étoilé sous les pailles du rodeo. Havana, Gila, Havana, Gila, Havana, Gila. Oi! Je suis définitivement à court de chansons. Parfait, déjeuner.